welcome to another exciting episode of Humanity 8.0, a podcast where we talk about our post-truth present and our transhuman future, with the aim of sketching out the outlines of what awaits us in the years and the decades ahead of us. This podcast is brought to you by Rokos. Companies with limited IT budgets and personnel can now get the same cybersecurity protection as big enterprises. Rokos' Secure Access Service Edge, SASE solution, with zero trust, provides enterprise-grade comprehensive cybersecurity so that you can focus on your business. For more, please visit www.rokos.com. That's ROQOS.com. And now, here's your host, Dr. Ahmed Bouzid, founder and CEO of Witlingo. Avant de pouvoir, moi, aller à l'Internet et poser des questions et lire des articles et de faire des recherches soi-même, c'est-à-dire. Hein, il y avait l'expert, on dit expert. Hein, expert, et on demande au expert qui est un être humain, hein, comme moi. Et on lui demande une question, il nous donne la réponse et voilà, on l'accepte. On ne fait pas des recherches sur qui est cet expert. On les voit, même aujourd'hui, dans la télé, hein, on les invite et puis ils disent X et puis tout le monde hein, dit X parce que c'est un expert, c'est un humain. Hein? Est-ce que c'est un problème nouveau, ceci, cette universalité? La différence, c'est que, voilà, c'est black box, mais l'expert humain, lui aussi, c'est une black box. Hein? La différence pour moi, c'est que moi, si je vois ce ChatGPT, this tool, comme un outil, hein? un outil que avec d'autres outils que je peux utiliser pour arriver à quelque chose qui est utile pour moi, hein, une piece of information, quoi, une conclusion que je pense qu'elle est, elle est probable. Quoi. C'est mieux que de consulter un expert humain, même s'il se déclare que je suis de Harvard, etc., avec ce diplôme-là. Moi, c'est une black box et donc j'ai aucun recours à faire quelque chose autre que d'accepter ou de rejeter ce qu'il dit ou ce qu'elle dit. Alors que si j'ai des outils et parmi eux, il y a des artificial intelligence trucs, je peux faire quelque chose qui est actif. C'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait à la merci, mon dieu, à la merci of the expert. Donc, la notion de l'expert, on peut peut-être dire que the expert, le human expert avant, c'était une intelligence artificielle biologique. Voilà, elle existait là-bas et puis elle avait un nom, elle avait des diplômes, cette intelligence. Et c'est quoi la différence? Bah, la grosse différence, si vous voulez, fondamentalement, c'est que... l'expert dont vous parlez, en fait, il est dépositaire d'un savoir qui a été certifié et évalué par une communauté. Alors après, vous pouvez avoir des communautés qui évaluent mal ou certifient mal les savoirs, et vous pouvez avoir des experts qui abusent de leur savoir, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire une distinction quand même assez claire et éviter de parler d'intelligence artificielle pour les humains, pour les machines, etc. Éviter ce terme. Il faut faire une différence assez claire entre un savoir qui a été certifié, évalué par des pairs, par une communauté de pairs, et du calcul automatisé. Hein. Ce n'est pas la même chose. Donc, l'expert, normalement, il est censé avoir pratiqué un savoir pendant un certain nombre d'années et avoir été certifié à travers des diplômes divers et variés par, en fait, une communauté de sachants, si vous voulez, qui ont reconnu son expertise, son savoir. Et c'est pour ça qu'il peut avoir une certaine autorité. Alors, ensuite, il peut abuser de cette autorité. Hein. Je ne suis pas en train de dire que... Voilà. Mais par ailleurs, ce que produit un dispositif comme ChatGPT,
ce sont des calculs automatisés, probabilistes et statistiques. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui certifie le texte que la machine génère, il n'y a personne qui l'évalue, il n'y a personne qui l'interprète. Donc toutes les activités de certification, d'évaluation, de délibération, de discussion, de débat, qui sont les activités qui permettent qu'un savoir existe, sont éliminées à travers ces dispositifs. Donc ces dispositifs ne produisent pas de savoir. Ils produisent des suites de mots probables, ce qui est très différent parce que, comme vous le savez, les grands noms, disons, les grands savants, si vous voulez, qui sont restés dans l'histoire, hein, eh bien, ont produit des théories qui étaient tout à fait improbables. Hein. La théorie de la relativité d'Einstein, avant Einstein, elle était tout à fait improbable. Hein. Donc, toutes les grandes théories, si vous voulez, mathématiques, physiques, biologiques, philosophiques, hein, avant d'avoir été produites par l'inventeur qui les a produites, elles n'auraient pas pu être déduites des données du passé. Hein. Ça, c'est impossible. Hein. Elles n'auraient pas pu être calculées par rapport au passé. Or, ces dispositifs-là, hein, qu'on appelle des intelligences artificielles, mais j'insiste là-dessus, qui sont en fait des automates computationnels, calculent des suites de mots, des suites de données probables à partir du passé. Hein. Donc, ils ne peuvent rien créer et apporter de nouveau. Ils ne produisent pas de savoir. Et d'ailleurs, ceux qui les ont produits savent très bien qu'ils ne produisent pas de savoir. Hein. Ce sont nous, les utilisateurs, qui nous faisons en quelque sorte tromper par la machine et qui commençons à chercher des informations avec ces dispositifs-là. Mais ce ne sont pas du tout des moteurs de recherche, ces dispositifs-là. Hein. Google a créé un moteur de recherche, d'autres entreprises créent d'autres moteurs de recherche. En France, il y a Quant, qui est un moteur de recherche alternatif à Google. Bon, ce sont des moteurs de recherche, c'est-à-dire ce sont des technologies qui ont été créées pour que vous puissiez aller chercher des informations, avoir accès à différentes sources d'informations, même s'il y a toutes sortes de problèmes qui se posent, puisque vous allez avoir certains sites qui sont plus référencés que d'autres. L'économie aussi et le modèle d'affaires qui est derrière le moteur de recherche va induire des choses en termes de référencement, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des technologies qui ont pour fonctionnalité de permettre aux utilisateurs d'aller chercher de l'information. Les technologies comme ChatGPT n'ont pas du tout cette fonction à la base, hein. C'est nous qui les utilisons comme ça parce qu'elles sont designées de telle manière à ce que ça nous donne envie de poser toutes sortes de questions à la machine. Mais en fait, ce sont des générations de mots probables, hein. Générer des mots probables n'a jamais permis de donner des informations ou de produire du savoir, hein. Donc attention, il faut bien distinguer ça. Maintenant, ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet des experts, c'est tout de même très intéressant parce que vous avez raison en fait de dire que face à un expert, on peut tout à fait se retrouver dans une position de consommateur finalement. Et c'est pour ça que moi je cite dans le livre, hein, je cite les propos de Kant, vous savez, dans son texte sur Qu'est-ce que les Lumières, Kant parle du livre et dit finalement, quand j'ai un livre face à moi, je peux très bien répéter bêtement ce que j'ai lu dans le livre, ne pas penser par moi-même, ne pas réfléchir par moi-même, et puis, en fait, me contenter de répéter un savoir que je n'ai pas compris. Et vous savez que Platon disait un peu la même chose des sophistes, hein. Platon disait, bah, le sophiste, en fait, c'est celui qui vient me vendre son savoir. Moi, je n'ai qu'à le répéter, j'ai l'impression d'être très intelligent, mais je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas critiqué, je ne me suis pas posé de questions, si vous voulez. Et puis, en plus, en général, ça coûte très cher, hein, d'écouter les sophistes, puisque les sophistes se font payer, à la différence des philosophes. Bon, et donc, si vous voulez, le point important ici, c'est bien de voir qu'effectivement, cette position de consommation par rapport à un savoir externalisé, elle ne date pas du tout du numérique, mais que précisément les technologies numériques permettaient de faire des choses extraordinaires de ce point de vue-là. Le meilleur exemple, c'est Wikipédia. Wikipédia, c'était précisément la possibilité de partager des savoirs collectivement, hein, et de ne pas faire reposer, si vous voulez, le savoir sur un dispositif vertical avec un détenteur du savoir qui impose son savoir à tous les autres. Hein. Wikipédia permet précisément une diversité des points de vue, une confrontation des points de vue, la délibération, l'interprétation, l'évaluation, la certification par les pairs. Mais ChatGPT, où les grands modèles de langage ne permettent pas du tout ça, puisque c'est de l'automatisation, si vous voulez, c'est du calcul statistique. Hein. C'est pas du tout la même chose. Donc, moi, je ne condamne absolument pas le numérique en général. J'invite chacun à s'interroger sur les fonctionnalités techniques et les modèles d'affaires des dispositifs technologiques pour voir s'ils sont mis au service de l'intelligence collective et du partage des savoirs. Et dans le cas de Wikipédia, et puis dans le cas de beaucoup d'autres dispositifs qui pourraient être développés aujourd'hui, eh bien, vous pouvez, par exemple, imaginez des dispositifs
où ce sont les individus qui évaluent les contenus qu'ils voient, qui se les suggèrent les uns aux autres, qui délibèrent au sujet de la pertinence des contenus. Et ça permettrait en fait d'éviter la suggestion automatique de contenu hein, qui nous enferme dans des boucles informationnelles, dans des chambres d'écho hein, et qui nous empêche en fait de mettre en œuvre nos facultés d'interprétation, d'évaluation. Hein. Donc vous pourriez imaginer des dispositifs d'annotation, des dispositifs de délibération collective avec le numérique qui seraient absolument fantastiques. Et qui permettrait justement d'éviter, si vous voulez, que un expert unique nous déverse son savoir depuis les hauteurs, si vous voulez, et puis en même temps qui permettrait d'éviter aussi que nous soyons manipulés en fait par des acteurs hein, qui financent, par exemple, avec ChatGPT, bah, vous pouvez créer beaucoup de fausses informations, vous pouvez aussi créer beaucoup de faux comptes. Ces faux comptes vont permettre de donner beaucoup de vues à certains contenus, et donc vous allez avoir une nouvelle guerre de l'information qui va être générée avec ces nouvelles machines. Alors que le numérique pourrait servir à toute autre chose, vous voyez? Ouais. Alors, bah pour moi, le ChatGPT, surtout quand il fait des grosses bêtises, hein, nous permet de nous poser la question, de prendre cette question et de la poser quand on parle à un expert, hein. Elle nous rend encore un peu plus mature que naïf, hein. C'est-à-dire que maintenant, moi, je me pose la question, c'est une machine qui a été créée par des génies, et puis elle fait cette faute-là. Alors, quand je parle à un expert, il me dit quelque chose, il y a dans ma pensée, mais peut-être que lui aussi, il me dit une bêtise, hein. Donc, ça crée un esprit plus critique, je pense. Parce que our conscience is raised, je ne sais pas comment dire ça en français, on devient plus critique envers les sources d'informations. Qu'est-ce que vous pensez? Mais comment vous dire? C'est une question ouverte. Moi, ce que je crains, c'est que nous ayons bientôt affaire sur Internet à des textes dont nous ne pouvons plus du tout savoir s'ils ont été certifiés par des communautés de pairs ou s'ils ont été produits automatiquement par des machines. Et je crains que cela ne développe une forme de défiance généralisée. Je pense que ça peut être très dangereux, puisque, si vous voulez, toute société démocratique, enfin, qui se dit démocratique, hein, encore une fois, est fondée sur la possibilité d'un espace public dans lequel, pardon, il est possible de publier, de rendre public des points de vue divers et variés. Si cet espace public est saturé de textes générés par des machines et qu'il n'est plus possible de reconnaître en fait les textes qui ont été certifiés par des communautés de pairs, des textes qui ont été générés automatiquement, eh bien vous allez avoir une multiplicité de fausses informations qui va être diffusée. Et bien sûr, vous aurez un esprit critique, soi-disant, hein, qui vous permettra de dire attention, il ne faut pas se fier à ce que je lis tout de suite, immédiatement. Mais en même temps, vous ne pourrez plus vous fier à rien. Et ça, c'est très dangereux, hein, parce qu'on a besoin collectivement de pouvoir se fier à certaines références communes, de pouvoir se référer à certains savoirs communs. Et c'est à partir de ça qu'on peut être en désaccord, qu'on peut discuter, qu'on peut confronter nos points de vue, nos arguments, etc. Mais si on n'a pas une espèce de base, si vous voulez, collective, ben je pense que ça peut être très dangereux. Par ailleurs, l'esprit critique, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais l'esprit critique, si vous voulez, ce n'est pas simplement la capacité à mettre en doute ce que je reçois, hein. Ça, c'est une vision très naïve, en fait, de l'esprit critique. L'esprit critique, c'est la capacité à comprendre comment un savoir est produit. D'accord? Et c'est ça qui fait que vous n'êtes pas en simple position de consommation. C'est que vous savez que le savoir a été produit à travers certains processus, si vous voulez. Et que vous connaissez, vous avez une vision, si vous voulez, de la manière dont en quoi consistent ces processus. Donc, par exemple, eh bien, si vous êtes mathématicien, vous savez comment est-ce qu'on fait pour construire une démonstration mathématique. Et quand on va vous présenter une nouvelle théorie mathématique, vous allez regarder comment elle a été construite
et vous allez vous dire, ah non, 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 attention, ça, c'est pas une théorie mathématique fiable. Ou alors, à l'inverse, vous allez vous dire, ah oui, excellent, la démonstration est bonne, les codes et les règles de la discipline ont été respectées, donc oui, c'est une bonne théorie mathématique. Et ça, si vous voulez, vous pouvez le savoir que si vous avez un accès au processus de production de l'information, de la connaissance. Or, ces technologies, encore une fois, nous coupent de tout accès au processus de production du texte que nous avons en face de nous. D'accord? Nous avons un texte en face de nous, nous ne savons où une image, et nous ne savons pas du tout comment elle a été produite. Et comme en plus, la plupart du temps, ces dispositifs sont des boîtes noires, nous n'avons pas du tout la capacité, nous, et puis nous n'avons pas les savoirs hein, mathématiques qui nous permettent en fait de comprendre comment créer des modèles de langage ou des intelligences artificielles génératives d'images, etc., etc. Donc, pour qu'un véritable esprit critique se développe, il faudra que ces technologies soient enseignées de manière critique. Mais les enseigner de manière critique, ça ne veut pas dire les utiliser, d'accord? Parce que quand vous les utilisez, vous ne comprenez rien à la manière dont elles fonctionnent. Quand vous faites une demande à ChatGPT, vous ne savez pas du tout comment il a obtenu le résultat. Quand Oui, vous demandez, oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faudrait qu'on comprenne comment ces machines fonctionnent, ce qui est assez compliqué, mais ce qui est tout à fait possible, et qu'on puisse en fait pratiquer ces machines de l'intérieur, transformer la manière dont elles fonctionnent pour vraiment comprendre comment elles ont été produites. De même que quand vous regardez la télévision, vous ne savez pas comment l'émission a été produite. Mais si vous allez dans un studio de télévision, si vous voyez les machines fonctionner, si vous voyez les différents acteurs, etc., monter les images et tout ça, bah, quand vous allez revoir des images en direct, si vous voulez, vous n'allez plus vous faire prendre au piège. Vous savez qu'il y a un montage derrière le direct. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, vous avez une connaissance technique, de, la production, des images. Donc, moi, quand j'utilise ChatGPT, quand je pose une question à ChatGPT, ce n'est pas un terminus, c'est un point de départ pour moi. C'est-à-dire que je pose la question, et généralement, ça me donne quelque chose que je peux utiliser comme un point de départ. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre la réponse et dire que ça, c'est la vérité. Ah, ça me dit que la réponse est intéressante. Ah, il y a un concept là qui est intéressant, une corrélation entre deux choses là. Alors je vais consulter mes bouquins. J'ai beaucoup de bouquins ici, et je vais à Google et find the paper, PDF qui a été publié, c'est-à-dire quelque chose de scientifique, c'est-à-dire. Donc, c'est pas un terminus. Ceux qui utilisent le ChatGPT comme un terminus, voilà, ça c'est un très grand problème. Mais ceux qui l'utilisent comme une black box, mais c'est un point de départ, hein, de départ, où je ne suis pas un consommateur, je suis quelqu'un qui est en train de construire une réponse à une question, d'une manière active et intelligente, critique. Hein, une critique, c'est-à-dire que si quelqu'un me dit quelque chose, moi je veux savoir c'est qui est ce quelqu'un, quelles sont ses motivations et qu'est-ce qu'il a dit avant, est-ce qu'il a une idéologie, ou, etc., etc., etc. Avant de me faire convaincre que c'est ce que j'ai en face de moi, c'est une vérité que je peux compter sur. Donc cette notion de ChatGPT comme un terminus, comparé à un point de départ. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que, si vous voulez, pour moi, ce n'est pas la véritable question parce que, bien sûr, vous pouvez l'utiliser comme un point de départ et c'est très bien. Mais la question qu'il faut se poser, ce n'est pas seulement la question de nos utilisations personnelles, c'est au niveau collectif. Vous voyez, qu'est-ce que ça produit? Et ces dispositifs sont fondés sur l'exploitation des ressources linguistiques existantes. Ils ne permettent pas le renouvellement des ressources linguistiques. ChatGPT ne pourrait pas fonctionner s'il n'y avait pas Wikipédia, si vous voulez. Donc, s'il n'y avait pas eu toutes sortes, en fait, de savoirs produits, certifiés par des humains auparavant, parce que le système ne fonctionne que sur les données produites par des humains, si vous voulez. Parce que, comme il génère des suites de mots probables, si vous lui donnez en entrée des textes qui n'ont aucun sens, eh bien, il va générer en sortie des textes qui n'ont aucun sens, si vous voulez. Hein. Il ne fait que calculer par rapport aux données qu'il a stockées les suites de mots les plus probables. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que quand vous créez des dispositifs numériques qui court-circuitent les capacités
d'expression, de délibération, de réflexion, de certification, d'interprétation, de débat, etc., eh bien, en fait, vous exploitez des ressources existantes, des savoirs existants, mais vous ne permettez pas leur renouvellement et vous risquez en plus de permettre la génération massive de fausses informations, de faux comptes, etc., etc. Si vous voulez, la question, ce n'est pas de savoir si il y a quelques individus bien intentionnés qui vont bien utiliser ChatGPT et ça va leur être utile pour avoir je ne sais quelle information. Bon, peut-être, mais je veux dire, vous auriez pu chercher sur un moteur de recherche normal, ça n'aurait pas fait une grande différence, j'ai envie de dire. Bon, voilà. Donc, en fait, ce n'est pas très intéressant. Mais par contre, au niveau collectif, bah, on a un risque massif de désinformation, un risque massif de génération de faux comptes et donc de prise de contrôle de la circulation de l'information par des acteurs qu'on n'a peut-être pas encore complètement identifiés. Et puis, on a un risque, en fait, de perte des capacités d'écriture, de perte de la pratique, si vous voulez, de l'écriture, qui est, en fait, fondamentale dans la capacité de penser, hein. Si vous n'exercez plus vos capacités d'argumentation, vos capacités de narration, vos capacités de rédaction, vous perdez vos capacités de penser. Et si vous prenez l'habitude de tout demander, si vous voulez, à un dispositif dont vous ne comprenez même pas le fonctionnement, eh bien, vous n'allez plus être capable de penser autrement qu'en donnant des ordres à une machine, s'il vous plaît. Et donner un ordre à une machine, ce n'est pas exercer ses facultés de penser. Je pense que voilà, il y a un certain nombre de dangers. Et moi, je ne suis pas vraiment certaine qu'il y ait beaucoup d'avantages. Voilà, je. Oui. Donc, ma dernière question, l'heure est. Ça va passer très vite. Bon, Anne Alambert, si on vous donnait un budget de 10 millions d'euros à dépenser sur une période de 5 ans pour mettre en place une organisation ayant pour mission de réaliser quelque chose de concret, j'aime bien le concret. Et que vous étiez chargé de cette organisation. Que ferait cette organisation concrètement? Bah, en fait, je pense que j'essaierai de mettre en place des projets de recherche contributive parce que j'avais participé donc avec le philosophe Bernard Stiegler à un programme de recherche contributive qui avait pour but en fait de mettre en œuvre des processus de déprolétarisation par rapport aux technologies numériques. Donc, si vous voulez, l'idée, c'était de faire se retrouver différents chercheurs avec aussi des informaticiens, des designers, des techniciens, et puis des citoyens aussi, des professionnels divers et variés, de concevoir ensemble des dispositifs numériques qui soient mis au service justement du partage des savoirs, de l'intelligence collective. Typiquement, nous travaillons avec des professionnels de la petite enfance et du soin. Et l'idée, c'était d'imaginer en fait ensemble des manières de se soigner collectivement, j'ai envie de dire, par rapport aux nouvelles formes d'addiction qui sont créées par un certain nombre de dispositifs technologiques, et puis de réfléchir à des réseaux sociaux qui fonctionnent différemment, à des technologies qui nous permettent en fait d'exercer nos facultés de mémoire, de réflexion, de délibération, de discussion collective. Donc, par exemple, en développant des dispositifs où on peut annoter les vidéos, où on peut les indexer, où on peut avoir une sorte de délibération collective autour des contenus qui ont été visionnés, etc., etc. Et puis, inventer aussi des organisations sociales nouvelles qui prennent soin de ces nouveaux troubles en fait auxquels nous faisons face aujourd'hui. Donc peut-être que pour éviter les effets de la surexposition aux écrans, par exemple, il faut imaginer, je sais pas, des nouveaux lieux, des nouveaux espaces dans lesquels on puisse partager autour de ces questions et dans lesquels on puisse se documenter et inventer et proposer des modèles alternatifs. Alors, ces modèles alternatifs, je ne les connais pas encore, mais je pense que précisément des recherches organologiques de ce type-là vaudraient vraiment la peine d'être développées. C'est ce qu'on essaye de faire un petit peu avec un collectif qui s'appelle le collectif Organoesis, avec un ensemble de chercheurs
où nous posons, en fait, si vous voulez, que les technologies numériques sont pour une grande part des technologies de l'esprit et que si nous voulons prendre soin de nos esprits, eh bien, il faut prendre soin de ces dispositifs techniques et les transformer en vue d'inventer aussi des modèles économiques soutenables pour l'avenir. Voilà. Voilà, schizophrénie numérique est le titre de votre essai, disponible uniquement en français maintenant. Pour l'instant, oui, mais j'espère qu'il sera bientôt traduit. Ok, parce que je pense que qu'il y a un large public qui tirerait beaucoup de bénéfices de votre texte. Donc, professeur Anne Alombert, merci. Merci beaucoup. Merci à Merci vous. d'avoir été notre invité. J'ai vraiment apprécié cette conversation. Merci beaucoup à vous. Merci. Je vous en prie. You've been listening to Humanity 8.0 with your host, Dr. Ahmed Bouzid, founder and CEO of Witlingo. Brought to you by Rokos. Thanks for listening.